Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce stream sur BattleBit Remastered. Voilà, que dire sinon que c'est moins un stream que la chronique de la chute d'un homme dans un jeu, une fois de plus. Voilà. Ça, honnêtement, ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas happé à ce point. Donc je suis assez heureux de d'y jouer et de le streamer du coup. Donc j'avais déjà fait un stream sur BattleBit et entre temps, il est Agbou a sorti un article dessus qui est sur le site de Canard PC. Je vous remets le lien. Hop. Salut les rigueurs. Salut Tsu, salut Chino, salut Nobi. C'est vraiment très très bien. Donc et ben, sans plus attendre, je vais lire les notifs d'Hélène Ripley, qu'elle m'envoie uniquement quand je stream, voilà, ok. Et let's go, voilà, comme on dit. Non mais c'est fou, hein, c'est fou. D'avoir un radar. Alright. Alors j'ai beaucoup joué depuis... Enfin j'ai beaucoup joué. Quand j'ai pu, depuis que le dernier stream, et j'ai pas mal monté, parce que vous savez qu'il y a des classes dans BattleBit Remastered, et on peut, du coup, une erreur réseau, tiens. On peut changer, débloquer des nouvelles pièces d'équipement, etc. Donc c'est assez cool. Et je vois que la caméra est un peu tournée, un peu grande pour rien là. Non, c'est pas ça que je dois faire. Attendez. Ouais, plus ça. Non. Bah alors. Ah, non. Ah, mieux. Un truc comme ça serait pas mal parce que sinon j'étais un peu décalé. Excusez-moi, je fais des réglages. Voilà. Non, en plus. Bon. Écoutez, ça suffira. Ça suffira comme ça. Oui, j'ai compris que je ne dois pas être raciste dans le chat. Ça tombe sous le sens. Ok, donc c'est une partie qui commence. Je vais jouer sniper. Alors. Vous calmez, voilà. Désolé pour la crise cardiaque. Alors, j'ai débloqué du coup un meilleur fusil sniper. J'ai débloqué, j'ai fait pas mal de kills avec. Et du coup, j'ai débloqué une super optique. Alors, je sais pas si c'est celle-ci que j'ai équipée en toute NT. J'ai débloqué aussi le Lord Grappin. Regardez ça. Hop. Il y a vraiment tout dans ce jeu, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc l'idée c'est que vous voyez, je me mets à perpète de tout. Et ensuite, je regarde. Alors bon là, les snipers ennemis sont pas forcément... Il est obligé de venir se mettre à 1 mètre de moi. C'est même pas à 1 mètre de moi, c'est il était clippé dans moi. La map est pas assez grande, c'est vrai. Bon, j'ai pas commencé en étant énervé. Salut Sophie. Alors. Il y a des méchants là-bas. On va régler le zeroing à 400. Ah, je me fais viser. Alors, sans plus attendre, on va faire un truc comme ça. Donc ça, c'est pour me protéger. Je construis un abri pour être sûr que je me fais pas tirer dessus par le côté. Ah non, c'est bien lui. Alors, va me falloir un peu de temps pour régler mon tir. Ouais. Et je suis loqué dans un... Ah, je l'ai touché. Dans un duel de sniper. Et il a disparu, le mec, non? Ouais, il est... Il n'a pas demandé la monnaie de sa pièce. Très bien. Alors. On va se cacher un peu de son côté à lui. On va regarder. Ouais. Ça a été pour moi, cette balle? Le jeu gère la balistique absolument, il y a la force de Coriolis, il y a même du zeroing. Très très surpris qu'un jeu comme ça gère le zeroing.
Mais c'est bien la réalité. Alors je vais tenter un truc là. Je vais tenter le saut dans le grappin. Oui. Voilà. Ça passe. Donc vous voyez que je suis très en retrait du champ de bataille, mais en même temps j'ai un truc grossissant qui fait x25. Donc je suis censé faire ça en fait. Mais les snipers ennemis ont pas l'air d'avoir investi de ouf les toits. La lunette du fusil fait des reflets, oui c'est ça pour le coup c'est pas géré par la physique genre des rayons du soleil, c'est vraiment que quand un sniper vise sa lunette... fait un reflet quand un sniper vous vise, en l'occurrence, c'est pas tout le monde à 360 degrés. Oula. Ah bah oui, il y a plein de monde là. Mais d'où ils sortent? C'est fou. C'est fou. Alors je vais peut-être... Ok, je vais peut-être opter pour un toit un peu plus exposé. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui a l'air bien comme toi? Ça, ça a l'air pas mal. Alors... Ouais, là, il peut y avoir des ennemis un peu partout. Donc premier réflexe, pareil, c'est on bloque un axe comme ça, je vais me faire moins tirer dans le dos. Et on regarde... Ah, oh là, il est beau lui. Alors, je suis à 200 mètres, vous avez vu, j'ai un télémètre. Il se barre, il se barre. Ouais. Ah. Ok. Oui, j'ai débloqué un télémètre qui est assez pratique sur la lunette du sniper. Alors, on va tester un autre endroit, c'est pas grave. Le snipe, c'est pas mal ça, c'est on cherche des endroits pour voir jusqu'à trouver l'endroit qui est le meilleur point de vue. Non seulement dans l'absolu, mais aussi selon la configuration actuelle du champ de bataille. Ouais, pas grand. Ah bah si, là. On va mettre le zeroing à 100 mètres. Je me fais... Ah oui, j'ai plein de potes à côté, d'accord. Ok, c'est pas forcément la peine. Ça c'est un pote mort. Ah. Vous avez vu tout là-bas, là? J'ai vu un méchant monsieur là-bas. Ah bah voilà. Il m'a vu avant lui. Alors vous voyez là, on l'a repéré tout de suite avec le glint 350. Donc je mets le zeroing à 300. Ah, c'est des méchants ça. L'autre là-bas il s'est soigné. Ouh là là, c'est une infestation. Voilà. Déjà. Touché. Ah, c'est... Il est mort, lui. Je suis un peu trop proche, malheureusement. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait... On va réduire les angles encore plus. Non, il y avait un autre sniper en embuscade. Bon, c'est pas très concluant pour l'instant.
J'ai commencé par là et puis je vais me mettre un peu à l'écart. Le sniper, c'est beaucoup ça. Des fois, on fait des super parties, des fois, non. Donc je rappelle, hein, y a 250 joueurs dans la partie, c'est pour ça que vous entendez que ça canarde à tout va. L'ambiance est assez géniale, hein, c'est vraiment l'une des raisons de jouer à ce jeu. Ah. Ok, tout là-bas il y a un monsieur à 500 mètres. Alors j'ai déjà fait un kill à 1200 mètres, c'est mon record. 500 mètres ça devrait aller. Voilà, headshot. Voilà, puis comme j'ai fait un kill, j'ai débloqué, j'ai dû passer un palier de kill, donc j'ai débloqué... Oh, c'est un méchant ça. J'aurais peut-être dû me poser un peu plus. Alors là-bas, j'ai vu bouger. Oui, mets-toi bien devant moi, ouais. Ça, c'est touché. Allez, on se montre là-bas. On se montre. Ça, c'est le même qui est revenu, je crois. Voilà. Bon, les affaires reprennent. Il va probablement se faire res par son pote, là il y a un méchant. On va baisser le zeroing. Non? Oui, non? Alors je vais quand même construire un truc. Voilà. Bon là-bas ils sont pas revenus les méchants. Là-bas ça construit. T'as combien ça? 387 mètres. Bon, on va dire 400. Ouf. Ah non, j'ai visé trop haut. Il veut pas viser, hein. C'est moi le leader de l'escouade, je crois. Ce qui est pas très bien du tout, parce que moi je suis concentré sur mon... Mais il est pas venu pour rien, lui. Je suis concentré sur mon sniping. Merde, plus de balles. Ah bah c'est bon, c'est géré. C'est quoi tous ces bruits? J'aime pas trop ça, hein. Ah, c'est un pote. Ça se rapproche, j'ai l'impression, la baston, vous trouvez pas? Le son est bon, en fait, y'a pas de soucis. Allez, bam. C'est cadeau. C'est toujours le même, de toute façon. Bon, vous voyez, là, du coup, on a trouvé un bon emplacement. Ça fait plaisir. On va quand même... Ah! Je sais pas si vous avez vu, il y avait... Voilà, là, tout là-bas, je me fais viser par un mec. Il est à 545 mètres. On a vu le reflet de la lunette. Après, pour toucher quelqu'un qui bouge à cette distance, un peu compliqué. Ah, je crois que je me fais tirer dessus par l'autre côté aussi. Là, c'est... Bah non. Oh bah, regardez. C'est qui là-bas? Ah, les balles qui fusent, ça me fait peur, moi.
Juste là, hein. Ouais. Putain, la violence. Donc le terrain est quasi entièrement destructible. C'est pas rare de voir un immeuble s'écrouler. Ah, y a vraiment des gens là-bas. Hein. Je vais changer d'angle légèrement. Ah, mais je comprends. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'ai pas mal de potes qui sont envoyés sur... qui sont positionnés sur les toits un peu à côté de moi. Et du coup, bah, y a moins d'ennemis, forcément. Parce que les ennemis ont compris qu'on était là. Manifestement. Bon, mais rassurez-vous, je vais pas faire que du snipe. Je fais du snipe sur cette map parce que c'est une des maps les plus dédiées au sniping, même si je suis pas très fan de cette map. Après, j'aime bien le côté c'est Paris, mais en même temps, c'est pas trop Paris, c'est marrant. Je trouve que le snipe ici est pas très agréable parce que c'est très... C'est très, les snipers sont sur les toits et tirent sur les autres snipers qui sont sur les toits. Les troufions sont sur le sol et tirent sur les gens qui sont sur le sol. Donc c'est vraiment, on joue à deux jeux différents limite quoi. Mais ça je trouve ça... c'est un peu dommage. Non, là il y a vraiment quelqu'un. Après c'est vrai que cette vue dégagée là, faut en profiter quoi. Ça c'est clean. Ah, il est mort. Ah. Mais pur. Alors ça j'adore. Ouais, on va arrêter le snipe parce que là le combo, mon pote qui me se met juste devant moi pour me cacher la vue pendant que l'ennemi m'aligne. C'est venu à bout de ma patience. Donc c'est pas grave. On va passer sur la classe ingénieur. Je crois que cet immeuble est en train de s'écrouler. Non, oui, non. Voilà, alors là je tire à l'UMP 45. J'ai découvert que la classe ingénieur avait accès à cette arme. Et j'en suis extrêmement extrêmement amoureux, on peut le dire. Non, je sais pas, dans tous les jeux où il y a un UMP45, je suis content en général de l'utiliser. Et donc là, depuis peu, je m'y suis mis. Et c'est fort agréable. On va aller caper F. Ah. Oh, hou, hou. Oh my god, help me, my bro. Help me, help me, help me, help me, behind you. Kill the fuck on top of the roof, on the... On se calme. Alors on peut muter les gens très facilement, ce que je fais en général. Quand ils commencent à hurler. Mais sinon c'est assez sympa, c'est du chat vocal de proximité. Vous me dites si le son est bon hein, avec tous ces... D'accord. Donc on peut... Vous allez me revive? Oui, non, oui, non. Oui. Oh la vache. Non, je peux pas le raise. Ouais. Ah, j'ai pris les risques. Oui, oui, ok. Donc le chat vocal de proximité, c'est assez sympa parce qu'on entend nos potes que si on est à côté d'eux. Plutôt chouette. J'essaie de trouver une escouade avec un peu plus de monde que la mienne.
Ouais. On va aller sur A, c'est pas grave. Je peux pas spawn sur A. Ah bon. Non, j'aime pas non plus le chat vocal en général, mais là, le fait que ce soit du chat de proximité et que les gens soient encouragés à faire du roleplay, c'est assez sympa. Moi, je suis tombé sur des gens qui m'ont fait éclater de rire. Certaines fois, c'est vraiment très chouette. On tombe des fois sur des rageux, mais au final, pas si souvent que ça. Need medic. Ouais. Medic, medic, help me, help me, I'm behind you. Bon, vous voyez. Snipers on the roofs. Watch out, snipers on the roofs. Ouais, le chat vocal, ça rajoute un petit truc quand même. C'est la guerre ici quand même. C'est un pote. Laissez-moi respawn! T'es venir là! Ah, ils vont pas me laisser respawn. Vas-y. Cascade là. Il y a vraiment trop de monde. Je respawn et je me prends la roquette. On va essayer de rester un peu avec le groupe. Yes. Bombs to the heaven. Peut-être essayer d'aller nettoyer ce... ce bâtiment. Oh là là. Un mec avec un MP5 là, il nous a fumé. L'ingénieur peut aussi poser des mines. Je le fais assez peu là parce que vous voyez que j'arrive pas à me rendre compte quelle... Enfin cette map, c'est une... elle est quand même très éparpillée en général. Et on a du mal à se rendre compte où est-ce qu'il faut... où est les lignes de front en fait.
Ah, on va caper C. Ah, ça remonte donc. C'est qu'il y a pas mal d'ennemis au final. Peut-être mettre une mine là. Alors, on est en train de caper. Ah, ok. Alors ces deux médecins, ils pourraient me soigner, mais... Ah, non, c'est fini. Alors, tu débloques des trucs classe par classe, peu importe le camp, effectivement. Après, tu débloques les pièces d'armes, mais les armes aussi sont à débloquer. Les armes se débloquent selon ton niveau de compte, en gros. Et par contre, les attachments d'armes se débloquent selon le nombre de kills de l'arme. Donc par exemple, là, je suis passé niveau 40, j'ai peut-être débloqué, je sais pas, je dis n'importe quoi, la K-47. Et après, il faut que je fasse des kills avec la K-47 pour débloquer un meilleur canon, un meilleur chargeur. Enfin après, je peux pas vraiment dire meilleur, parce que c'est toujours, il y a toujours des compromis. C'est genre, tu vas avoir un chargeur avec plus de balles, mais par contre, l'arme sera moins précise, ce genre de choses. Ou alors, tu courras moins vite, voilà. Alors, quelle map a été choisie? Wine Paradise, ok. Je sais pas trop laquelle c'est. Est-ce que j'ai déjà fait celle-là? Je suis même pas sûr. Le menu pour changer l'équipement, c'est quand tu respawn, tu fais loadout en bas à gauche. Ici, là. Hop, en bas à gauche. Et du coup, vous voyez, avec l'ingénieur, j'ai accès... Bon, d'ailleurs, il n'y a pas que l'ingénieur qui a accès à tout ça, hein, c'est un peu les classiques. Et donc là, je suis à 66 kills. À 75 kills, je débloquerai la visée réflexe. Niveau canon, à 70 kills, je vais débloquer un autre truc. Alors, le rangefinder à 120 kills, j'en ai pas trop besoin. Ah, est-ce que c'est pas mieux ça? Non. Bref. Alors, dans ces cas-là, on respawn parce que c'est le... Tout le monde est coincé au même endroit vu que la map a pas encore démarré. Ce qui est assez, assez énervant. Voilà. D'accord. Il y a des gens de la communauté PC qui jouent, ouais, j'ai vu 2-3 personnes sur le Discord. Oi. Oi. Ça me saoule d'être le squad leader, hein. Ha. Mais genre... Je me rappelle pas de cette map. Oh, are you really gonna give up? Cringe. Help. Help. Je sais même pas si m'a tué là. Ah bah de rien, bah ouais, pour la découverte, hein, c'est terrible. Je comprends absolument rien à ce qui se passe là.
je vais te prendre avec vous. Ah ouais, c'est une toute petite map, et toute la baston va se faire en ville. Ok. Ça donne quoi, si on veut sniper, là, par exemple? On voit rien, en fait. Si, peut-être par là. Ouais, ça a pas l'air génial niveau sniping, quoique là, il y aurait eu un mec à buter. Ouais, non merci Jazmano, c'était très cool de jouer en squad la dernière fois, mais... Ah merde. Je croyais que ça allait me déboucher sur une rue. En fait, j'ai sauté du barrage. mais en stream, je me suis rendu compte que jouer en vocal, ça me... Ça faisait que je me retenais pas mal de parler, alors que bon... En stream, c'est l'idée normalement. Aïe aïe. Let's go. Touché deux fois. On va le rejoindre. Toujours poser une petite mine. Suivez l'autre. Oh la Clément. Ben, genre. Y a peut-être un mec sur ce toit, hein, vu qu'il y avait une Clément. Oui, il y avait un mec sur toi, je vous confirme. Donc un mec qui m'a tué avec le Chris Vector, donc le Chris Vector qui est actuellement l'arme considérée comme étant la plus pétée du jeu. Et que tout le monde joue quand on l'a débloqué, parce qu'elle se débloque, à assez haut niveau. Voilà, c'est cadeau. Et elle est considérée comme très très forte parce que elle a une cadence de tir délirante. Le Chris Vector, donc enfin, l'autre a pas encore eu le temps de te voir que tu lui as déjà vidé un chargeur dans le bip quoi. C'est la R99, non c'est le R45. Okay. Pas fan de cette map, en toute honnêteté. Bon, moi je me jette aussi. Hein. Ouais, pas fan de cette map. Venez, on fait une autre map. Bon, moi j'hésite pas. Hein. Hop, je vais virer mon alerte mail parce que sinon, comme d'hab, vous allez péter un câble. Vous allez péter votre crâne, évidemment. Pendant qu'Hélène me bombarde de messages. Ah, alors cette map. Ok. Alors une map assez compliquée, assez petite, mais sympa. Et en général, alors là c'est vraiment...
la guerre, mais puissance 1000. Mettre une barrière là pour bah une barrière là j'ai dit qu'on puisse grimper dessus. Ah d'accord. Ah d'accord. Je n'ai 6-7 heures après l'article, très déçu de l'équilibrage, SMGPT, presque pas de spread. Est-ce que vous voulez des villes pour les snipes? Alors. Ouais, donc les SMGPT, comme je disais, pour l'instant, le Chris Vector, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas exactement le cas de toutes les armes. D'ailleurs, tu verras, en te faisant tuer, on voit avec quelle arme on s'est fait tuer. Et en général, on voit que c'est des armes assez variées. Donc c'est pas comme si ça tuait vraiment le jeu. Bon, mais vous pouvez pas leur envoyer une grenade, en fait Voilà. C'est bon, I'm in. Presque. Et le glare... Enfin, le glint, ils disent, je crois, eux, dans le jeu. Donc le fait que les armes des snipers font un reflet... oui, bien sûr, il y a des snipers qui râlent, hein, qui disent « Oh non, je devrais pouvoir ». En vrai, c'est quand même un peu nécessaire dans un jeu comme ça, pour pas que ce soit complètement tué par les snipers. Et même avec ça, les snipers, rassurez-vous, font quand même plein de kills. Ah oui, non, ils sont toujours là. Non, c'est confirmé, hein. C'est pas pourquoi j'y retourne à chaque fois. Est-ce qu'on va me soigner? Oui, non. Non, peut-être parce que ça me paraît fou que... Ah mais attendez, je vais les flanquer. Je vais les flanquer. Faut pas hésiter à construire les gars, hein. Ah. Sauf quand ça bug évidemment. Voilà, ça va nous aider un peu. Ah bon, apparemment mes potes ont aimé la construction, donc je vais en remettre d'autres. Oups. Faire raise ou pas? Non, je pense pas. Hein. Ah si, il me fait raise. Salut Bière. Ah bah je souffre pas du tout, c'est que du bonheur. Et vous avez vu comme ils aiment ma barricade? Attendez, je vais en remettre d'autres. Qu'on puisse avancer quand même. C'est bon les gars, il y a une barricade! Et ils viennent pas par contre. C'est quoi, je vais en remettre une deuxième. Alors les barricades ça coûte des points. Mais on en a à peu près 5000 donc ça va. Voilà, un vrai mur. Et de là, ah oui. J'allais dire de là on peut les flanquer, mais on peut se faire flanquer aussi. Attendez, c'était où? C'était là. Ah, enfin, c'est ruinant. Ouais, il y a des fumigènes. Eh mais... Scandaleux ça. Voilà, j'ai débloqué grâce à tous ces... cette série de kills. De purs kills. Ah, c'est fini. Ah non, non! Non, mais bien, c'était bien, c'était bien ça. Ouais, bière, carrément, ouais.
Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, j'ai joué sur des grosses maps et j'étais dans une escouade où un peu de façon complètement informelle, on a attaqué les bases arrières de l'ennemi, donc les points de capture qui sont près de sa base et qui sont pas trop défendus une fois que la partie a commencé. Et on a vraiment passé la partie entière à l'arrière des lignes et c'était trop bien. En plus, il y avait une bonne synergie, je sais pas comment ça s'est passé, mais moi j'avais donc mon lance-roquette, on avait un sniper, des mecs avec des grenades et tout, et c'était super bien. Oh non, pas Sandy. Oh non, non, non. Est-ce qu'on fait Sandy Sunset? Ouais, allez, allez. Du coup, si des gens jouent BattleBeat et sont intéressés pour jouer un peu sérieusement, pas envie de dire avec interdiction de rigoler, mais disons... Mais disons, voilà, sont intéressés pour jouer de façon tactique en escouade, où on peut vraiment aller en hélicoptère à l'arrière des bases et rester là-bas de façon tactique. Bah n'hésitez pas à me dire sur Discord. Alors qu'est-ce que j'ai débloqué là, ça sert à quoi? Alors j'ai débloqué un nouveau truc qui sert à rien, un nouveau canon, moins de recul mais moins de précision, ouais ça m'intéresse pas, et là moins de contrôle et un moins bon maniement, donc non merci. Et le chargeur, quand est-ce que je débloque un meilleur chargeur? À 500 kills. Ah ouais. C'est pas pour tout de suite. On a le droit d'être nul, bien sûr, Nobby. Ouais, il y a le groupe Steam Canarbit. Non, mais bien sûr, Conoro. Et puis sur le forum, il doit y avoir plein de gens qui jouent. Et même sur Discord, mais... J'aimerais bien trouver des gens que ça intéresse de faire spécifiquement ce genre de truc. Et pas d'être juste côte à côte dans la même partie, quoi. J'en ai eu un, mais... Oh la vache. Allez, les medics, là. Shut the fuck up. Allez, cadeau. Vous les avez entendus? Il y a un mec qui a hurlé dans son micro. Ils arrivent, grenade! Très drôle. Vous voyez que c'est bien le micro. Oh. Oh. Oh, le sol qui s'est écroulé sous ses pieds, oh mec. C'était fabuleux. Je mets des petites mines. C'était allié ou ennemi ça? Ce bâtiment, j'arrive pas à comprendre s'il est dans notre territoire, dans l'heure. Non, je pense que c'est dans notre territoire. Ah bah oui, c'est carrément dans notre territoire. Ah, on va caper, cool. Faut toujours caper les points parce que ça donne énormément de points, justement. Par contre, là, c'est le... Ouais. Bon, vous avez vu, il y a un petit peu d'ambiance, quand même. Oh, merde. Oh, ça va.
Merde, c'était un ennemi. C'est un ennemi. Papa, y'a pas encore. Il m'avait même pas vu, il a dû penser qu'on était mort. Très drôle. Et vous avez vu, j'ai tué quelqu'un avec une mine, j'ai eu la notif. It's cold. Ah. Non, malheureusement avec cette classe j'ai pas de lance-grappin. Hein. Mais j'ai ça. Pas rien. Ah oui, bah du coup, oui, il y a des classes. Le médic est très utile. L'ingénieur que j'ai aussi, parce que. Il a le lance-roquette qui permet de buter les véhicules ennemis, les véhicules blindés. Le sniper évidemment très utile aussi. La classe assaut est pas mal parce qu'elle a le grappin et plus de grenades que les autres. Ah, j'ai pris une grenade. Et comme je disais, dans chaque classe, hein, on débloque les armes en fonction de du rang de notre compte. Donc là, je sais que je vais très bientôt débloquer le SCAR, par exemple, ce genre de choses. Et après, évidemment, les armes, on peut les customiser. Oh, ouais, j'aime bien le... Oh. Oh, c'est pour les backers du Patreon. Non, en fait, j'ai... Non. Prestige 2, Prestige 3, je comprends pas ce que c'est. Non, en fait, je voulais pas de camo, c'est possible? Ah oui, non. Voilà. Et je vais essayer la... La visée réflexe. Voilà. J'aime moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme classe? Il y a la classe qui peut... qui transporte des munitions pour les autres. Pas très utile parce que quand on meurt, on respawn avec tous nos... On respawn avec toutes nos munes, donc Oh, j'ai tiré dans le... Oh là là, j'ai tiré dans le tas. Oh, c'était fabuleux ça. Alors ça, c'est assez génial dans ce jeu quand on débarque à un coin de bâtiment. Et on se rend compte qu'on a absolument flanqué les adversaires et que du coup on est de derrière 4 mecs qui savent pas qu'on est là. Merci monsieur. J'ai pas de micro mais merci. Y'a pas de tir allié. Je suis assez avancé là. Non. Ah. Heureusement, vous imaginez. Mais c'est un médic lui, il veut pas me soigner. Voilà. Quand on est gentil, on soigne. Il s'est barré. Ouais, là je crois qu'on est attendu au tournant. Je suis pas... Il m'a bien atomisé lui. Attendez, est-ce que j'ai bien de l'arme? Ah non, mais avec cette classe, j'ai pas d'armure. Ah, mais j'ai pas d'armure avec cette classe. Mais c'est pour ça. Bien ça. Attendez, parce que... Du coup... Ça, c'est pour le visage. Et l'armure. Par contre, j'ai de l'arme. Ah non, toujours pas. Ah, mais voilà. Ah, parce qu'en plus, non seulement on a une meilleure armure. Alors, on court 2% moins vite, mais on a plus d'armure, on a plus de munitions et plus de trucs à lancer. Donc, autant dire que je suis fan. Je l'avais pas fait pour cette classe encore. Je m'en veux beaucoup. Pour la belt, par contre, ouais, c'est pas très utile. Attendez, j'ai fait helmet. Il y a aussi un autre truc, voilà, le backpack.
Le backpack, j'ai déjà le plus gros sac à dos. Alors, je pourrais avoir un... Ouais. Je pourrais avoir un sac à dos moins gros, mais du coup, je pourrais pas porter autant de trucs. Ok. Ça va aller un petit peu mieux, là, avec l'armure que j'ai gagnée. Ça va pas... C'est pas une dinguerie, mais... Que vous voyez, il y a des gens qui ont pas de casque et des gens qui ont un casque. Et vraiment, les casques arrêtent une balle, quoi. Ce qui est quand même... Oh, voilà, vous voyez, ça change tout. Ah, je me fais revive. Merci, les amis. Oui, je peux être soigné ou... Merci. Bon, bah du coup, je me montre pas à la fenêtre, là. Hein. Trop bon, trop con. C'est moi ou il n'y a pas de véhicule? Normalement, il y a des véhicules dans ce mode, sur cette map. Cette distance, le point 45, c'est pas magique, hein. Le calibre. Oh, lui. Bon, c'était cadeau, ça. Moi, je vais rester là, hein. Allez, cadeau. Non, toi tu es mute. Ah bah écoutez, c'est la fenêtre de la mort là. Par contre, ouais. Les fumigènes, vous voyez, sont très très efficaces. Bientôt plus de mun. Mais hier j'en parlais à des potes d'Arma de ce jeu et je me suis mis et, bon clairement j'ai essayé de leur vendre le jeu et je me suis mis à essayer de faire la liste de toutes les fonctionnalités de Battlebeat Remastered qui peuvent plaire à un joueur d'Arma, donc un joueur qui fait de la 1000 sim etc. Et bah en fait la liste est très longue et j'ai trouvé ça incroyable parce que déjà il y a pas de chargeur magique, donc si tu recharges avant d'avoir fini ton chargeur et ben plus tard tu vas te récupérer ton chargeur avec moins de balles dedans, mais tu peux aussi recombiner les chargeurs, les décors destructibles évidemment, le fait que les escouades sont gérées, les classes évidemment, le fait qu'il y ait de la balistique avec la force de Coriolis, du zeroing sur les armes de précision, ce qui est quand même assez fou. La distinction, enfin voilà, une armurerie assez rigoureuse, avec une distinction entre les armes de tireur d'élite et les armes de sniper, puisqu'à l'armée c'est pas la même chose. Ouh, ouh. Ah, il est mort de là. Oh non, sérieusement. Quoi d'autre? Bah évidemment la customisation des armes, on peut changer chaque pièce, etc. Tout ce qui est gadget avec, voilà, il y a des mines, des lance-roquettes avec plusieurs types de roquettes, des drones. Des véhicules blindés de plein de types différents, évidemment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Bah, le vocal de proximité, évidemment. Ça aussi, c'est très Arma. Dans Arma, en général, on utilise un mode pour permettre ça. Quoi d'autre? Bah, il y a probablement d'autres choses, la construction je pense aussi, mais là déjà c'est déjà bien. Ah, on y va. Oh ouais, ouais, j'y vais moi. À l'assaut. On peut porter les cordes des blessés pour les amener en sécurité pour les soigner là-bas.
La verticalité des maps, oui, bah ça, ça plaira un peu tous les joueurs de FPS, mais... Alors, je sais pas ce qui se passe, là, on fait une percée. Méduse n'aurait pas aimé. Ouais, alors il y a plein de... Ouais. On a déjà fait la fois, ou... Ah. Ah, je me suis pris une grenade. La différence entre tireur d'élite et sniper, c'est le la distance. Le tireur d'élite, il est efficace. Il a des fusils. Souvent, c'est des fusils semi-automatiques qui sont efficaces à... Alors, je vais pas dire de bêtises, mais... Probablement quelques centaines de mètres, quoi. Alors que le sniper, lui, est fait pour vraiment tirer à, au-delà de plusieurs centaines de mètres avec des fusils qui sont, voilà, des fusils bolt action. Hop, 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 hop. Ah, il avait un pote. Mais oui, Pierrori, parce que... Méduse n'aime pas les percées, évidemment. Ah, mais je pensais qu'il y aurait personne! Salut Koenix Katy! Sniper qui m'a en ligne de mire là-bas. Alors notre percée est commencée à s'est transformée en impasse, hein, clairement. Ah mais on a capé toute la ville. Ah mais je sais pas comment ça s'est passé, on les a chassés de la ville là. C'est un truc de ouf. Ah oui, vous pestez contre le manque de recul de mon pistolet mitrailleur, bah... Voilà, c'est quand même un pistolet mitrailleur, hein, donc c'est pas efficace au-delà de 20 mètres, vous avez vu. Donc c'est pas mal qu'en compensation dans les jeux, il y ait moins de recul sur ces armes-là que... Que sur... Oh là 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 là. Que sur les fusils d'assaut, mais dans les jeux on est obligé de faire ce genre de compromis parce que sinon... Oh, ça va faire mal ça. Wouhou. Ah par contre, ouais. Ah oui. Je sais pas, je me suis pris pour Rambo là. Oh, j'ai bloqué le PP19. Les balles! Promotion posthume, oui, c'est j'ai dû gagner les points. Et du coup, ça m'a fait passer de niveau. Oh. Ah, c'est la guerre là, hein! Oh la vache! Peut-être qu'on peut essayer de dig in un peu. Peut-être si je construis des trucs, ça va aider. Ah non, c'est pas là. Ouais, bah c'est trop tard. Ou pas. Ah, ce bâtiment-là, vous avez vu, il s'écroule. Il a pris trop de dégâts. Voilà, remplacé par Derwin. Et nos potes sont déjà loin. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais vraiment... Ça avait l'air assez équilibré au début. Et là, on les a, mais... explosés. Le système de drop, c'est quoi, Konoro? Pour les drops Twitch? Dropping ammo, guys. Push in, push in. Aïe, aïe. Ah, construction. Ouais, il est là, je vais pas être là. Je vais avec un M4M1. Mais je n'ai pas de... Je veux des rails, je veux des rails. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, monsieur.
Watch out. Et vous pouvez construire les gars, hein. C'est gratuit. Voilà. I'm dropping ammo. Oui, les accents très différents, c'est assez cool. Ah là 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 là. Ah. Ah ça c'est le... Ouais. Ouais. Vous avez vu, on est tous morts d'un coup. On est tous morts d'un coup parce que le... la tour radio s'est effondrée sur nous. Je me bandage. Ah. Le mec de tout à l'heure, je pense qu'il faisait pas à la voix, Tifres. Je pense qu'il avait une macro. Oui, non, oui, non. Oui, non. Non. Medic, need a rise. Ah, oui. Oh, merci. En fait, il y a aussi... comme les medics sont les seuls... c'est la seule classe à pouvoir heal. Il y a beaucoup de gens qui jouent médic, mais sans vouloir vraiment soigner les autres, juste pour pouvoir eux se soigner. C'est... Quelle ambiance ici quand même. La violence. Ah, genre. Il y a une classe de mitrailleur aussi. Alors, le mitrailleur, c'est pas mal, mais j'ai un peu de mal à voir l'utilité parce que dans ce jeu, la suppression, etc., c'est pas non plus d'une utilité incroyable. Après, c'est cool de tirer à la M60, hein, toujours, mais bon. Alors là, plus de contrôle sur le recul. Mais sinon, ça fait une arme un peu plus lourde à manier. Donc, pas fan. Et du coup, il me dit que j'ai débloqué le PP19. Ah, on peut faire ça. Je ne savais pas. En faisant clic droit sur le chargeur. Je découvre des trucs. Ah non, sur la... Ah. Ouais, on voit que le MP45, c'est pas l'arme qui a la plus grande, loin de là, cadence de tir. Mais, c'est mon préféré. Voilà. Car moi, j'ai grandi en France dans les années 2000, figurez-vous. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire un duel de sniper avec un SMG. On peut pas jouer au couteau dans ce jeu, non, y'a pas de... Pardon, y'a pas de corps à corps. Je trouve ça bien parce que les FPS où y'a du corps à corps, souvent ça encourage...
Ça encourage à rusher, vous voyez. À rusher l'adversaire au contact. Ah mais c'est vrai, oui c'est vrai qu'il y a la masse qui peut détruire les bâtiments et dont on se sert pour Ah mais je peux faire pivoter comme ça. Je vais construire des trucs hein. Ah y'a pas de problème, moi je construis hein. Ah et regardez, hein ils sont contents. Je vais te sauver! Ah, il le traîne en sécurité. C'est... Non mais c'est vrai, il y a du corps à corps, mais pas, mais faut être dans la bonne classe, quoi. Hey, medic. Medic, medic. Vous voyez, comme la construction c'est puissant, on s'est créé un avant-poste. Ah, les gens qui attendent pas d'être aise. Ouais, je connais pas la map, je sais pas où j'allais. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de véhicule. Le véhicule, ça peut apporter un peu de... de variété sympa. Et de notamment de variété tactique, quoi. Allez, si on descendait... Oui. Alors sans crever, la prochaine fois, j'espère. Waouh. C'est violent. Ah, il y a un H1 et H2 à capturer, mais... Mais on y va, pas de problème. Go H1, go H1. Go H1. Hop, les jolis points gratos. Il y a des joueurs juste de l'autre côté là, c'est ça du coup. Oups. Nice. Merde. Ah mais il y avait plein de monde. Je croyais qu'ils étaient deux. Ils étaient là du coup. Je vais y retourner. Ah mais qui a mis des obstacles comme ça? C'est pas comme ça qu'on fait. Ah! Non, où est-ce que je l'ai lancé? Ah, ça a l'air d'aller. Et c'est bon. D'accord. Ok, ok. Faut juste qu'on récupère H2.
Ouais. Le medic s'est fait buter en voulant me sauver. Bah ouais, mais je suis d'accord que la grenade avait l'air bien. Elle est arrivée un peu trop tard malheureusement. Ah mais on les a fumés en fait, hein. On va les repousser jusqu'à I1. Incroyable ce... Ouais, est-ce qu'une minute, mais... C'est par là. Mais du coup, les échanges de feu vont devenir ultra violents parce que... Nous, on est 125, mais en face aussi, ils sont 125 et ils sont concentrés ici, ils respawnent ici. Enfin, donc ça va vraiment devenir de plus en plus... intense, quoi. Ah, wow. Ah, je crois que c'est le... Ouais, le bâtiment s'est effondré sur nous. Vous avez vu le nombre de snipers en face? Vous avez vu le nombre de mecs en face? À 50 cm. Help me, bruh. Ah, c'est bon. Ok, bon. Bah, pas trop mal comme partie. Moi, j'aimerais bien faire une partie avec des véhicules là. Vali, moi j'aime beaucoup. Une map avec une vibe méditerranéenne très sympa. Je sais pas ce que les gens... Les gens vont voter pour Frigis à tous les coups. Ah, je le sens venir. Hein. Ah non, Vali. Ah, Frigis deuxième. Frigis c'est la map Paris où on a commencé comme ça. Ah, la classe support, elle construit ses trucs déjà construits, et elle a un exosquelette. Ah, c'est cool. Ok. Non, mais bah, ça, c'est mal expliqué, pour le coup. Enfin, ce n'est même pas expliqué. Alors, on va monter dans un hélico. Alors, sans le conduire, parce que... Pas exagéré. Mais par contre... Voilà. Là, va y avoir masse de véhicules, là. Alors, au début, surtout, et puis après, ils vont respawn au fur et à mesure. En général, ouais, les hélicos, vous voyez, le Black Hawk, surtout, il est plein à ras-bord. C'est assez sympa. Alors, c'est sur cette map-là qu'il y a moyen d'aller dans les derrière les lignes ennemies de façon assez cool, parce que c'est assez éloigné de l'action, mais il y a quand même des ennemis qui passent, notamment des blindés aussi, donc assez chouette. Let's go! Oui, let's go? Oui, non? Oui. Ça, c'est assez cool, l'ambiance au début quand t'as tous les véhicules qui partent, les hélicos qui suivent... Ah, par contre, on a un mec qui ne sait pas conduire un hélico. Super. Alors que là, on aurait pu capturer des trucs facilement. Manifestement, il ne sait pas avancer. Si, oui. Attention! Bah, fais-nous caper un peu! Triple buse. Bon. Alors, désolé pour le bruit. On peut se faire larguer là, hein, peut-être. Ah, oui, non. Non, oui. Ouais. Cet hélico, là... ça devenait un peu naze. Comment on descend, par contre? Ah,
pas un côté où je peux descendre sans mourir là? Ah, peut-être par là. Ouais. Salut Baba Pichu. L'hélico qui est mort là. Alors, dans ces cas-là... Juste avant de mourir, j'ai pu lancer ma roquette. Et voilà, je viens de me faire 2000 points en détruisant le... Ah, merde, j'aurais pas dû... Je me suis resté trop tôt. My bad. C'en est un... Ah non. Moi j'ai des roquettes spécialisées dans les... la destruction des véhicules blindés. Et non pas dans la destruction des bâtiments ou l'élimination de l'infanterie. Ah, oh putain, le M1 Abrams. Ah, ils l'ont détruit juste avant. Je voulais les points. Hop. Yeah. Je vais partir. Ah oui, mais juste là, ok. Alors... Ah oui, voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller un peu en race campagne, là. Alors, déjà, évidemment, je pop là. Ah! Je voulais mettre une roquette. J'ai pas eu le temps. Le M1 Abrams, il est très très fort. Évidemment. Ah non, c'est allié ça, merde. Et ils l'ont eu, je crois, le M1. Ouais. Ouais, ils l'ont eu. Alors du coup, moi j'aimerais bien... Oh putain, merde. Alors je sais pas... Ah, encore tué, juste avant que je tire. Le KDA... Bah là sur ce serveur on vient de commencer là donc je suis à 1 kill pour 3 morts. Mais il compte pas les kills de véhicule. Alors j'ai tué un véhicule avec au moins 3 personnes dedans. Sinon on met une grenade, hein. Ouais. Ça leur a fait peur, un pote. Wow. Trop bien.
J'aime beaucoup le race campagne sur cette map. Voilà. Méfiance, il y a des ennemis sur zone. Nice. Vous voyez, c'est plus tranquille sur les bases arrière là. Parce qu'on pousse vers A. J'ai bien l'impression que oui, hein. Alors, il y a des ennemis là? Oh là là, dans les fourrés là, ça va être l'enfer un peu. Oh merde. Il y a des méchants! Des méchants véhicules! C'est moi qui me mets derrière lui, certes, mais... Enfin, j'ai raté et il me reste qu'une seule roquette. Ah ! J'oubliais que les roquettes sont d'une lenteur colossale. Ah bah bon. Ça a été géré, apparemment. Bah du coup, Goa, hein. Ouais, là, il y avait trop d'ennemis. Je me suis avancé trop à découvert là. Ah, je peux pas. À cause de ce véhicule, mais s'il sort. Et du coup. Boum! Ah. Ça fait plaisir là. Salut Lily. Ah mais... Il y a une centrale nucléaire qui vient d'exploser un peu plus tôt sur le stream. Donc c'est bien que tu arrives que maintenant. Putain. Oula. Encore une victoire du détoureur. Une seconde. Hop. Non merde, j'ai repop là. Ah. Quoi, y'a un tank là? Ah oui, juste là. Génial. Bonjour. Là il doit se dire, il est où ce connard? Il est là! Ah! Bisous! Putain, deux! Je sais pas si ça sert les grenades, j'imagine pas, mais...
Ah si on peut. Il réparait son tank. Je peux... Ah je peux voler le tank. Ah laissez-moi voler le tank. Ah, ah j'ai volé le tank ennemi. Je sais pas quoi faire avec par contre hein. Ah, il y a plus de... Putain mais... Bah oui. Mais j'ai eu des points pour avoir aidé à détruire le véhicule que je conduisais. Donc c'est plutôt sympa. Alors il n'y a pas une escouade un peu plus efficace que celle où j'étais? Non, hein. Ouais. Merci The Weekend Top pour le 20e mois d'abo, merci beaucoup. La centrale quand elle est pétée, ça rigole pas hein. J'ai mis une balle dans la tête mais ça a pris son casque. Ah dommage, on est en train de reperdre B etc là. Merci Sailuk pour le 52e mois, oh là là, merci beaucoup. Je suis pas sûr que je tire honnêtement. Qu'est-ce que c'est que ce spawn là? Oh là là. Il y a une gestion des radiations. Ok. C'était d'un pote peut-être. Ah oui, j'avais dit que j'aimais pas cette visée. Vache. On va le traîner en sécurité. Ah. Non. Il avait combien de casques lui? Il les superposait? Ah ouais, quand même. Ah, on est pris au piège, génial. Il y a deux véhicules blindés. Deux véhicules blindés et plein de méchants. Ok, ok. On a des nouvelles des véhicules blindés hein.
C'est le bordel, hein. Il y a des ennemis de chaque côté, là, c'est... Voilà, écoutez. Oui, mais c'est pas grave. J'ai tué l'hélicoptère. Ah oui, je vais changer le... Ah ? Bon, on va regarder ce que c'est, ça. Et ça... Ah, j'ai gagné un silencieux. Alors, silencieux, plus de recul, moins de précision. Mais c'est pas si silencieux que ça, hein. C'est un tout petit peu plus silencieux. Bon, on va essayer pour la science. Oh, quelle horreur, le HCOG, là. Ah, c'est vraiment le pire viseur de la Terre. Ah, par contre... Ouais. C'est quand même bruyant. Ah. Ah non, le HCOG, là, c'est pas possible. En plus, ça ne donne pas des bons résultats. Non, alors on va tout de suite changer. Voilà. Le red dot. Et. Alors ça, j'avais mis quoi? Le basique, c'est ça? Ouais, le basique. T'as vu Ravenel? C'est terrible, hein. Bon, c'était vraiment cadeau. Oui, bah j'ai rechargé! Renobi. Bah, ça gagne. Je sais pas. Ça s'amuse en tout cas. Je saurais honnêtement pas dire si on est en train de gagner ou de perdre. Par contre, me battre dans les ruines là, j'en peux plus. Je vais aller en. À la campagne. En tout cas, je vais essayer. Ouais, ne meurs pas, s'il te plaît. Allez. Yes. Je fuis. Je déserte. Je me mets au vert. Ah. Oui, non, oui, non. Oh putain. Ah non, il est à nous. Ah. 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 Vous savez ce qui n'est pas à nous? Vous savez qui va prendre une petite roquette? Ah. Alors j'ai touché mais... Ouais, j'ai eu un peu peur. Ah c'est bien, il recule, comme ça je vais pouvoir le cuire de l'autre côté. Boum! Non j'ai raté je crois. Ah oui, je suis là, oui. C'était un peu drôle qu'il fasse sauter mon couvert. Ah, je suis déçu d'avoir raté ma deuxième roquette. De toute façon, ça aurait pas suffi, il faut 3 roquettes pour les tanks, mais... Ah, il y a un autre véhicule blindé juste là. Mais dis donc, ça pousse sur les arbres. Ah là là. Il y avait encore un méchant. Après, aller tout seul attaquer les véhicules, évidemment, c'est s'exposer à un taux de réussite. Écoutez, absolument magnifique. Ouais, je vois pas ce qu'il vous faut. Ah. Et là, il doit encore y en avoir genre 2. Il est où le deuxième? Il est proche, lui, hein. Je peux pas...
Allez, laisse-moi te mettre une petite roquette. Mais... Pour ceux qui a plus de soldats d'infanterie de base. Il était caché derrière les panneaux solaires. Il avait un camouflage panneau solaire. C'est vachement bien ça, la guerre. Si vous vous battez contre des ennemis un peu écolo, vous mettez des panneaux solaires sur le dessus du tank et ils refuseront de tirer dessus. Et ça ne marche pas quand votre ennemi est les Nirokoi. C'est l'effet inverse. Bon, j'y retourne. Hein. J'aime beaucoup trop mettre des roquettes dans des tanks et mourir comme un idiot. Oui, j'ai peur. Il est là! Quoi? Non mais attendez, là je vais faire un procès là. J'appelle mon avocat tout de suite. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même? Bon, vous me direz, je respawn direct mais... c'est vrai que c'est un pistolet à bouchon ce truc. Je comprends pas, non mais enfin c'était un bug hein, clairement, la roquette qui lui passe dedans. Il mange la roquette, il fait chpou. Ah. Ou alors c'est réaliste, c'est une mécanique pour simuler les roquettes qui et les obus qui n'explosent pas dans la vraie vie. Non mais... Parce que ça arrive hein. Ah non, il était pour moi. Déçu. J'ai plus qu'une roquette. J'ai cru que c'était un ennemi. Bon bah je vais essayer de mourir vite parce que j'ai plus qu'une roquette. Alors que j'adore la salade, terrible. Il faut vite se bandager dans ces cas-là. Oui, sauf quand on trouve pas la touche, alors là c'est génial. Parce qu'on perd du sang très très vite, hein. Et après on meurt. Voilà, ça c'est cadeau. Ah. Touché mais pas tué. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Non mais... On va mettre des petites mines. Non, faut sauter. Allez, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Ouais, ça pue ici. Ah, ça, c'est le mec que j'ai tué avec ma frag tout à l'heure qui est mort. Je sais pas ce que j'espère à chaque fois, j'ai pas M16 dans les mains. Salut Christophe. Ah c'est pas la fin là, ça va. Mais bientôt, c'est vrai. Parce que j'ai un peu faim et moi vous savez que je mange tôt. On va reprendre B. Non, attends-moi, emmène-moi avec toi. Non. Je suis toujours pas mort. Bah c'était un bon usage de ma dernière roquette, j'ai trouvé. Mais là c'est bon, faut me tuer maintenant. Plus de mine, plus de roquette. C'est d'une tristesse.
C'est 18h30 sur l'agenda, Christophe. Ça, c'est... C'est Google Agenda qui fait n'importe quoi. Hein. Ah oui, d'accord, bah... Eh bah non. Pas du tout. 18h30, ah bah merde. Et ça, je sais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je lui ai dit 16h30 Battlebeat Remastered, il m'a dit « Ok, c'est toute la journée, il y a un événement qui s'appelle 16h30 ». Je fais « Non ». Et après, j'ai dû me gourer en me refaisant manuellement le truc. Voilà, j'ai corrigé. Bah désolé, désolé pour les gens qui ont raté, mais vous aurez les joies du replay, évidemment. Non, c'est pas une histoire de time zone, non. C'est vraiment une histoire de Google Maps, qui est, de Google Agenda, qui est vraiment, vraiment teubé quand on lui donne des trucs à comprendre. Ah, mais j'ai encore deux roquettes, en fait. Ok, les affaires reprennent. Parce qu'il y a un véhicule là-bas, en plus. Ah, il est un peu loin, quand même. Et surtout, on va pouvoir attaquer à... Oh, putain. Allez, bam! C'est cadeau! C'est... C'est pas grave. Puis je respawn juste derrière. Ça, c'est quand même cool. Il y a un truc marrant avec ce jeu, si vous le savez, si vous avez lu la news de... Tiens, alors là, je vais faire ça. Voilà, parce que des fois, même quand il n'y a plus personne dedans, ça nous ramène pas mal de points si on le bute. Donc, dont Act. Ouais, si vous avez lu la news qui a fait Actbou sur le jeu, je crois, vous savez que les devs ont donné une interview où ils expliquent que... pour eux, c'était vachement important d'aligner les graphismes de ce jeu avec les mécaniques, parce qu'au début, donc ils avaient un jeu qui ressemblait à ça et qui était beaucoup plus compliqué, genre tu pouvais te casser des os en tombant de haut, etc. Et en fait ils se sont rendus compte que ça clashait avec le... que ça jurait avec le... leur style de pixel Roblox quoi. Et donc ils ont... ça leur a crevé le cœur, mais ils ont... ils ont enlevé certaines features un peu hardcore de Milsim pour à la place bah voilà, avoir un jeu qui est un peu plus en accord avec ce qu'on s'attend à avoir quand on achète le jeu. Et ils ont bien fait puisque donc ça fait un énorme carton sur Steam ce jeu là, ils en ont vendu plusieurs millions d'exemplaires déjà. Bon alors toi tu vas bien te calmer. Ouais non, avec mes roquettes qui avancent à 2 à l'heure, je crois que c'est pas une bonne idée. Je vais te sauver, Billy! Ah non, je te sauve pas. C'est lui hein, qui a respawn. Moi, je parlais de la news d'Agbou dans laquelle il explique ça, mais peut-être qu'il redit ça dans son article, effectivement. Donc, on a sorti hier, effectivement, le enchantier sur le jeu. Bienvenue! Oh, il a pas aimé! Oh, il a pas aimé! Oh, il a pas aimé! Yes, bien joué Christophe. Ah! Il l'a eu? Ah ouais, il l'a eu. Oh, et le bâtiment est en train de s'effondrer. Oui, elle est le plus chouette cette map, le côté un peu rural et étendu. Ça fait que bah, si tu veux pas aller dans un endroit où il y a 50 000 balles qui fusent à la seconde, bah tu vas sur les petites maps, les petits endroits de la map. Ah, il y a un sniper à droite et un tank, je sais pas comment j'ai fait pour survivre, voilà, oui.
Eh mais il est super chiant cet hélico hein. Je vais honnêtement pas pouvoir le... BAM! Non, raté. Je vais y aller en scred par là. Ah non, putain, il est retourné... Ah, c'est fini. Ah bon, on est perdu? Je croyais qu'on était en train de gagner, moi. Bon. Comprends rien à ce jeu. Et bah voilà, c'était Battlebeat Remastered. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà deux bonnes heures que je joue. Et se relancer dans une partie là, ce serait peut-être un peu gourmand. Et d'autant que, en parlant de gourmandise, eh bien j'ai faim, figurez-vous. Donc on va y aller, je vais vous envoyer chez Nico, évidemment. Hop. Voilà, chez Nikoni qui vous fait sa revue de presse de l'actualité de la tech et du hardware. Donc ça va être forcément très cool parce qu'en plus Nico est quelqu'un de très cool. Donc je vous envoie chez Nico, merci d'avoir été là, merci de vous être abonné, merci d'avoir participé avec votre bonne humeur habituelle dans le chat. Et moi je vous retrouve bientôt parce que cet été, de toute façon, je vais continuer à streamer un peu. Y a pas de lézard, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Allez, je vous envoie là-bas, et merci encore, et salut, passez une bonne soirée.